Je suis écrivain depuis à peu près une vingtaine d'années et j'ai commencé en fait à être édité il y a à peu près une dizaine d'années, en 2011, avec différentes maisons d'édition. D'abord dans l'un des genres de la fantasy qu'on appelle la science fantasy. J'écrivais d'abord pour adultes et puis avec le temps et tout doucement en fait je me suis mis à écrire pour la jeunesse puisque à force de rencontrer mon public, les éditeurs, les libraires, tout le monde m'incitait à me dire que j'avais vraiment une plume qui aurait pu être plus adaptée pour la jeunesse. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis lancé à écrire un peu pour la jeunesse. J'ai commencé d'abord avec une trilogie sur les dragons qui démarre à Quimper, qui finit dans la ville close de Concarneau, où je mélange un peu toute la partie celtique, la Bretagne, avec toute la partie fantasy, avec les dragons, etc. Et puis ça a été un succès inattendu. Et là, je me suis essayé du coup à faire d'autres genres, parce que j'ai la chance, si vous voulez, d'écrire tous les genres de l'imaginaire. Donc ça va être du fantastique, du steampunk, de l'heroic fantasy, de la dark fantasy, de la fantasy celtique, de la fantasy urbaine, enfin tous les genres qui vont me permettre de traiter un genre, une situation, un message. Donc j'écris d'abord pour adultes, ensuite je me suis mis à écrire pour la jeunesse, donc ado. Et puis tout doucement, en fait, je suis descendu dans les âges et on m'a proposé d'écrire dernièrement. Donc j'ai une nouveauté qui s'appelle Pupus, qui est sur les dinosaures. Et là, c'est pour les 3-7 ans, qui a été illustré donc, par Virginie Osmose, qui a fait un album juste extraordinaire, qui a sublimé mon histoire. Et donc voilà, on s'amuse à écrire un peu tous les genres, puisque je fais beaucoup d'interventions. Je donne aussi des cours dans les primaires, collèges et lycées sur l'écriture, sur comment en fait on crée des mondes, comment on les accorde. Et donc forcément, il est venu par l'évidence que les professeurs m'ont dit depuis 2-3 ans, on a inclus en fait le fantastique dans les univers des enfants. À l'école, on l'étudie et on aimerait bien avoir une œuvre qui va les regrouper plusieurs de ces genres-là pour qu'ils puissent découvrir les différents rythmes, les règles qui sont consacrées à ces différents genres. Et donc j'ai la série Gorn qui est sortie donc, avec 6 titres où chaque livre en fait se suit, mais par contre je change de rythme en utilisant un des genres de la fantasy. Donc le tome 1 en fait est écrit comme du fantastique, donc là avec des plans rapprochés, on va aller sous-entendre qu'ils sont en danger, on va aller inquiéter les gens. Dans le 2, en fait, ça va être écrit comme du steampunk, un petit peu avec des machines à la Léonard de Vinci. Dans le tome 3, nos héros, en fait, avec des portes multivers, ils vont découvrir un autre monde. Et là, ils se retrouvent plutôt dans un rythme d'heroic fantasy avec des dragons Apter. Alors, dragon Apter, c'est des dragons, en fait, qui n'ont pas d'ailes. Donc, tout simplement pour que ça reste cohérent avec le reste de l'histoire. On va aller visiter un château hanté, découvrir de la sorcellerie. Dans le tome 4, on va découvrir donc de la dark fantasy jeunesse. La dark fantasy, si vous voulez, c'est un cran au-dessus du fantastique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'inquiétude, dans le fantastique, on va aller plutôt donner l'impression qu'on est en danger. Dans le 4, on va aller décrire et on va aussi rajouter des créatures qui ne sont pas toujours sympas, plutôt démoniaques, etc. Dans le 5, ensuite, on va aller dans la fantasy végétale. On découvre un monde totalement tourné sur les végétaux, où toutes les créatures ont muté avec la nature. Sauf que, comme aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des plantes carnivores, là, il faut imaginer que nos animaux sont aussi carnivores. Et donc, ils se nourrissent des pauvres gens qui finissent par croiser leur chemin. Et dans le 6e, pour montrer qu'il y a toujours une bonne note pour finir, on est dans de la fantaisie céleste. Et là, je propose en fait au lecteur de traverser en fait la strate des nuages et découvrir un monde céleste au-dessus de nous qui est inconnu des hommes. Il faut savoir, pour la petite confidence, que je suis dyslexique, dysorthographique, dysphasique. Autrement dit, en théorie, je ne sais pas écrire, je ne peux pas écrire. Et je ne peux pas non plus parler comme je le fais là, puisque j'ai des difficultés à l'oration. Sauf qu'avec le temps, on finit par maîtriser ce genre de petits problèmes et on arrive un peu à contourner, quoi. Donc moi, enfant, en fait, je lisais très très peu. J'ai commencé à écrire et à lire donc quasiment en même temps, à l'âge de 10-11 ans, lorsque je suis tombé en fait, sur un titre qui s'appelle « La tarte volante ».
C'est l'histoire, en fait, c'est un Italien qui avait écrit ça. C'est l'histoire d'un énorme gâteau qui passe au-dessus de Rome et qui s'écrase dans la forêt, qui va mettre en panique, évidemment, tout Rome. Donc, la police, l'armée va bloquer toutes les rues. Et des enfants, en fait, sont témoins de cette scène sur un balcon. Et ils vont descendre et ils vont aller découvrir ce que c'est que cet ovni qui s'est écrasé. Et là, ils vont arriver sur la tranche du gâteau, vont gratter, vont découvrir que c'est du gâteau. À l'intérieur, il y a des rivières de sirop, etc. Et on va découvrir tout un monde dans ce gâteau-là, quoi. Et ça a été mon élément déclencheur, en fait. C'est-à-dire que j'ai découvert que la lecture, ça pouvait être vraiment du plaisir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écris pour la jeunesse, j'écris pour des enfants qui ont des problèmes à lire, justement. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les enfants qui lisent, mais ce sont ceux qui ne lisent pas. Cela m'intéresse beaucoup parce que je sais que moi, l'écriture m'a sauvé, en fait. Quand je dis ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est surtout que je pourrais faire un métier qui ne me plairait pas si je n'avais pas fait l'effort de me mettre à la lecture. Donc j'ai commencé à lire donc, La Tarte Volante, et puis après, forcément, moi j'ai 50 ans, donc il y avait très très peu d'œuvres pour la jeunesse. Et du coup, j'ai très rapidement en fait, lu des romans d'adultes, donc avec les cycles de Isaac Asimov, de Orson Scott Card, tout ce qui était quand même très SF à l'époque, donc Dune, voilà, tout ce qui se rapprochait de près ou de loin de Star Wars. Et puis forcément, quand j'ai commencé à écrire, c'était ces influences-là. Donc, je ne voulais pas faire de la SF particulièrement, mais ça me fascinait quand même. L'hypertechnologie est fascinante. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, une fois adulte, je me suis rendu compte que l'hypertechnologie, aujourd'hui, est à nos portes. Il faut un an et demi pour écrire un livre, et que quand on a creusé sur une nouvelle technologie, elle est sortie quasiment en même temps que le livre. Donc c'est difficile d'aller faire rêver les gens sur quelque chose qu'ils ont dans leur cuisine ou qui va leur permettre de nettoyer leur terrasse ou leur jardin sans avoir rien à faire, quoi. Donc du coup, pour faire de la SF, il faut creuser plus loin et il faut aller sur tout ce qui est théorie. Donc la théorie des cordes, la théorie des trous de verre, ça, ce sont des vrais sujets scientifiques. Et quand on creuse là-dedans, effectivement, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc la théorie des cordes, en gros, pour expliquer, ce sont différents univers parallèles. Et on s'accorde à dire qu'il y a réellement différents parallèles à notre existence. Mais évidemment, il faut sortir de notre vision. Ce n'est pas forcément un autre monde avec d'autres humains ou un double de nous. Ce sont des mondes soit d'antimatière ou avec un autre concept que le concept organique. Et aujourd'hui, en fait, donc la théorie des cordes, c'est que chaque corde vibre à une fréquence qui lui est propre, et que si on était capable de trouver la bonne vibration, on pourrait passer d'un monde à un autre. Voilà. Et ça, c'est ce qui a valu que, grâce à ça, j'ai commencé à faire mes moyens de télétransport dans ma science fantasy quand j' ai démarré pour adulte. J'ai utilisé ça. Et la théorie des trous de verre, c'est en gros une nappe que vous avez jetée par terre qui est toute froissée. Et donc, au lieu de faire le tour, donc la surface de la nappe, on va pouvoir traverser les parties un peu qui se sont les bosses, parce qu'il y a des endroits où il y a un petit malin, il a fait un trou, il a laissé son mégot et ça a fait un trou, et on peut passer d'un endroit à un autre sans avoir effectivement à parcourir tout l'univers. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Ça nous permet de nous dire, voilà, le voyage dans l'espace pourrait être possible si on avait des calculateurs qui puissent nous dire, voilà, là, il y a des défauts, il y a des défauts dans telle galaxie, telle strate, et on peut aller d'une galaxie à une autre grâce à ces trous de verre. Donc on peut voyager beaucoup plus loin. Donc voilà, les recherches m'ont emmené ensuite à écrire de la science fantasy. Parce que j'aime bien le rythme de la fantasy, où on est dans le voyage, on est dans la rencontre, on est dans la quête initiatique. Et je trouve que le lecteur, et moi y compris, quand on suit des personnages, on grandit toujours. Puisqu'on découvre en fait une réaction face à une situation, et on se demande si nous on aurait réagi de la même manière. Et ça, c'est très intéressant, en fait. Vous arrivez à vivre de votre écriture ou... Alors aujourd'hui, très largement, dans le sens que, en fait, je fais pas mal d'interventions aussi. Donc ça m'a ouvert des portes, si vous voulez, pour les écoles, pour les médiathèques, pour un tas d'événements. Et je fais vivre également mes écritures, que mes livres font vivre 7 illustrateurs, une éditrice et 3 correcteurs. Donc il y a toute une équipe derrière. Donc moi, je travaille maintenant avec les éditions Fantasy Park, qui se sont installées en 2013 à Combrite,
au moment où moi je voulais faire la bascule, quand je suis sorti de mes grosses maisons d'édition, je cherchais un éditeur qui puisse me permettre justement de ne pas faire que de la science fantasy, mais que je puisse éventuellement voilà, sortir des œuvres pour des 7 ans, des 8 ans, des 15 ans, du dragon, de la féerie. Voilà, ça, c'est, je voulais avoir cette liberté-là. Et Fantasy Park m'a donné cette liberté. Mais initialement, vous aviez une profession Alors moi, je suis orthoprothésiste de métier, donc à Bénodet. Et où je manage des équipes et je suis dans la conception en fait d'appareils orthopédiques pour le polyhandicapé, pour les polyhandicaps lourds. C'est relativement technique comme formation. Oui, ben il y a une école pour ça. Hein, donc ce que je veux dire, c'est vous n'aviez pas une orientation littéraire. Ah non, d'origine, non. En fait, moi, comme j'étais dyslexique, j'ai très très vite compris que je ferais pas forcément ce métier-là. Surtout que mon père, il me l'avait confirmé. Quand j'ai à un moment donné, j'ai émis l'idée que je voudrais être plus grand, je voudrais être écrivain. Mon père m'a dit, mon fils, c'est pas avec des phrases et des mots que tu vas monter des murs ou réparer des voitures. Il était très pragmatique, mon père, hein, il a fait la guerre d'Algérie et il n'avait pas complètement tort. Mais grâce à lui, en fait, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai été moniteur de combat à l'armée, j'ai vécu dans des tribus. Je me suis, si vous voulez, j'ai eu une vie tellement passionnante, j'ai vu des choses magnifiques, j'ai vu aussi des gens morts au Koweït. Donc j'ai vu le magnifique et j'ai vu le pire de l'humain. Donc aujourd'hui, écrire, pour moi, comme j'ai vécu beaucoup de choses de ce genre-là, c'est très facile d'écrire. Alors j'ai pas effectivement un parcours littéraire, j'ai pas fait un bac littéraire, mais et d'ailleurs je me défends de dire que je suis plutôt auteur qu'écrivain. Mais par contre, je peux vous raconter des histoires qui sont très palpitantes, sans avoir une écriture très envolée, très recherchée, puisque ce n'est pas le but de mon travail, en fait. Mon travail, c'est de faire rêver, c'est d'emmener les gens à lire, à se décrocher un peu de notre quotidien, de toutes les technologies addictives qui nous sont en train de nous lobotomiser, et de leur dire, voilà, prenez du temps, lisez, faites-vous du bien et rêvez. Et rappelez-vous que l'ennui aussi est productif pour nous et que ce n'est pas parce que l'on s'ennuie que c'est terrible et qu'on perd son temps.